Nous devons impérativement redresser les finances de la ville suite aux dérives financières liées à l'augmentation constante des impôts et des dépenses sur le dernier mandat. Ma seconde priorité sera la sécurité, puisque nous devons absolument redéfinir un véritable rôle pour la police municipale. La troisième priorité sera l'emploi par le développement économique en favorisant le commerce et l'artisanat.